arguments about who and who. I'm focused on me and you. I know when the love is real, but also when the love is. Why'd you have to leave me heartless? I see it clear through my ocular trend. Said that they just copy, they now they say, oh. In it too deep, I ain't dropping the toss. I'm loaded, she quoted, I'm really a. In them draws. Big wave, rip tight, wrist bright. Let me floss, wrist high, meal time, flip buns. Sun up to sun up, I'm running my funds up. I'm having my fun, I'm a real fast. I'm entering somebody's space. Eh bien, salut à toutes et à tous, la M Company, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement devant cette belle cinématique que je découvre en direct live avec vous. Oh, le passage piéton, le bus, attention, et voilà, il s'est arrêté. Non, pas encore arrêté. C'est bien, regardez cet endroit, si c'est pas magnifique. C'est la nouvelle révélation encore, j'ai encore une nouvelle révélation. Nous sommes, vous l'avez vu, à Split et c'est absolument magnifique. Par contre, permettez-moi de le dire, j'avais complètement oublié, mais belle année à vous tous. Mais oui, on est en 2024, et oui c'est fou. Alors moi, ça me paraît pas fou, puisqu'on est encore en 2023 au moment où je vous parle. Mais on est en 2024, voilà, ça y est, donc bonne année à tous, évidemment, meilleurs vœux, joie, bonheur, santé, réussite, et Split, bien sûr, bien évidemment. Non mais voilà, j'espère que votre réveillon s'est bien passé, j'espère que, voilà, pour ceux qui étaient casaniers aussi, qui sont restés à la maison, tranquillou bilou, qui n'ont pas fait grand chose, parce que c'est vrai que c'est juste un passage d'une année à l'autre, voilà, c'est qu'un chiffre sur le calendrier, j'ai envie de te dire, un peu cher. Excusez-moi, je prends comme l'accent du sud, puisqu'on est en bord de mer. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé de bons moments, de belles fêtes de fin d'année. Maintenant, on va attaquer la galette des rois, les gars. Je l'ai attendu toute l'année, celle-là, la galette des rois, mon ref. Tellement bon la frangipane. Et est-ce que vous êtes team frangipane ou est-ce que vous êtes team pomme? Dites-moi là dans les commentaires. Moi je suis team frangipane à 250% les gars, hein, sans déconner. Bref, nous sommes donc à Split. J'ai fait un voyage là-bas, bon j'ai fait plusieurs livraisons etc. Et je suis arrivé là-bas et c'était vraiment la nouvelle révélation. C'est juste magnifique, on va pouvoir faire le tour. Vous avez vu l'introduction de la vidéo également par rapport aux deux camions. Donc déjà dans un premier temps, retour aux sources, j'ai décidé de revenir sur ce magnifique DAF, notre tout premier camion. Le DAF donc XF bien évidemment. Heureusement que c'était écrit sur le côté, j'avais oublié. Voilà, floqué L7C Family. Qui plus est du coup customisé, voilà je l'ai re-upgrade avec les petites loupiottes devant. Ça fait donc alors attendez, dans un premier temps on va quand même allumer le moteur. Alors si je suis là hein, c'est pas parce que j'ai pris le ferry ou quoi, c'était juste pour faire ce centre d'intérêt hein, sachez-le, c'était pour voir la cinématique. Hop, ouais, donc voilà, avec des nouvelles trompettes, avec tout de même des loupiottes gyrophares qui clignotent un petit peu, pas trop non plus. Comme ça, si jamais à tout moment on peut quand même faire pas spécialement gros convoi exceptionnel, mais ce camion peut servir pour des transports qui dépassent de gabarit par exemple. Voilà. Et puis les loupiottes sur le devant qui, avec les clignotants, regardez, ça clignote, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'aime bien. Je crois que ça, je sais pas si ça existe en vrai de vrai, j'ai jamais vu ça. Mais comme je suis con, bah je me suis dit vas-y, je vais le faire. Donc voilà, magnifique camion. Aujourd'hui donc nous sommes à Zadar et le trajet est exceptionnel. Nous transportons du poisson frais. Du poisson frais, et regardez le trajet. Bon déjà il y a une photo à faire ici aussi. Donc nous sommes à Split. Bon, jusqu'ici tout va bien. Là il y a un point d'interrogation à découvrir. Évidemment qu'on va y passer. Là le but du jeu les gars, c'est de rentabiliser le DLC West Balkan. Voilà, vous allez très vite comprendre pourquoi, puisque nous allons passer devant Zadar. Zadar on connaît. On va faire des petits virages. Là ça va être que de l'autoroute au début. Donc vous allez me dire, pas terrible, on a déjà vu en plus, vous inquiétez pas, si c'est pas beau, je vous ferai des coupures. Par contre, on va arriver ici. Là, il veut que je passe par Zagreb, Ljubljana, donc Ljubljana c'est là où on a notre garage, etc. Mais tout ça on connaît, alors oui, il y a des points d'interrogation qu'on n'a pas encore vu ici, bon bref. Mais tout ça on connaît, par contre, ici on a Rijeka qu'on n'a pas encore exploré, ni même Koper d'ailleurs. Mais surtout là, regardez, je vois des petits virages là qui m'attendent, donc allez, un petit détour par ici. Donc c'est plutôt chouette, on a une photo à prendre également là, il ne faudra pas la zapper. Ensuite on va remonter donc sur Ljubljana, on a également une photo à prendre ici, je ne vois pas à quel moment je ne l'ai jamais prise. Ah bah parce que j'ai jamais pris la route ici, voilà, j'ai jamais pris la route ici, ok. Ah on s'était arrêté là pour à mon avis l'événement World of Truck, regardez,
Moi, je vois une place de parking ici. Si tu veux mon avis, c'était l'événement World of Truck avec la neige. Bref, donc on va découvrir ici. Et plutôt que monter là, monsieur, dame, parce que là, il veut me faire passer à côté de Salzbourg, l'autoroute. Donc on va livrer à Innsbruck. Et bien évidemment, on va passer par là, messieurs, dames. Mais bien évidemment qu'on va passer par là. Alors oui, ça rallonge de ouf. Mais là, on va voir des virages. On va voir également des beaux points de vue. Ici, je crois que c'est les virages emblématiques. Et j'avais fait une vidéo dédiée à l'époque, justement, au DLC Autriche. La refonte de l'Autriche, cette route est emblématique, magnifique, incroyable. Voilà, autant vous dire que le trajet d'aujourd'hui est absolument qualitatif. Ça change totalement évidemment de la dernière vidéo que j'ai pu vous proposer sur Euro Truck Simulator 2. Voilà. Donc on va pouvoir partir être un kilemang. J'ai mis le clignotant avant même de regarder si la voie est libre. Je suis un salaud, bien évidemment. Donc c'est parti pour livrer du poisson frais. Hop, j'ai ricoché sur le frein. Très dangereux cela dit. Très dangereux cela dit. Et donc nous revoici sur ce camion, j'allais dire emblématique, mais non, il n'est pas emblématique. C'est juste que c'est notre tout premier camion et je l'aime énormément et ça fait du bien de retourner dessus, de pouvoir le rerouler. C'est vrai qu'il est magnifique. Mon MAN, donc le nouveau camion, le MAN, vient d'être floqué du coup TLF, hein, vous l'avez vu également dans l'introduction. Donc on aura l'occasion de le rerouler encore une fois, le fameux MAN floqué maintenant TLF. Le seul truc qui me dérangeait avec ce MAN, c'était le GPS qui était tout petit. Sachez que j'ai pu changer l'intérieur entre temps, donc du coup maintenant j'ai un GPS beaucoup plus grand. Je vous le montrerai à l'occasion, mais là pour le moment on est dans le DAF, on est dans les bouchons, ça risque d'être un petit peu long. Voilà, on prend le temps d'admirer le front de mer, si je peux dire front de mer d'ailleurs, hein, c'est pas vraiment le front de mer. Je suis pas forcément friand des ports, pour ceux qui me connaissent, je suis pas très fan des ports. Là, je m'imagine d'ailleurs l'odeur un petit peu nauséabonde. Par contre, j'aime tellement l'ambiance en réalité. En fait, c'est assez paradoxal, d'ailleurs j'ai dit nauséabonde, je suis absolument navré, je voulais pas dire ça non plus. Mais j'aime en fait, j'aime l'odeur de la moule, j'aime l'odeur des poissons, j'aime l'odeur qu'il y a en bord de mer dans les ports. Et en même temps, j'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est assez impressionnant. Alors je vais juste faire la photo, comme ça il sera content le machin d'achievement. Même si on voit pas le palais Dioclétien, on le voit pas d'ici, mais il est là. Et avec les boutiques souvenirs sur le côté. Et oh putain, on a des beaux virages par là. Oh là là, attention au porte-à-faux à gauche. Mais voilà, en tout cas c'est magnifique. L'ambiance est géniale, c'est vraiment ambiance vacances. Et puis pour les pêcheurs c'est ambiance travail évidemment. Mais voilà, c'est vraiment une ambiance que j'aime, malgré l'odeur que j'aime et que je déteste à la fois. Je sais pas si vous êtes comme moi. C'est paradoxal, mais j'aime et j'aime pas en même temps, donc c'est assez impressionnant. Mais cette ambiance est vraiment folle et donc je suis vraiment ravi de Split. C'est vraiment une très belle ville que j'ai découvert par hasard, voilà, en faisant une livraison. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont encore tout bouchonné. Par contre ouais, c'est bouché, hein. J'aurais vraiment pas dû, bon, je voulais vraiment avoir la cinématique, c'est pour ça que je suis venu là, mais c'est vrai que là c'est putain de bouché. Alors attendez, on va mettre aussi les feux de détresse. On va se permettre de sortir du camion et voir un petit peu ce qui se passe, parce que on va éviter de se faire écraser. Ça me paraît un petit peu long. Ok. Eh ben maintenant ça avance. Attendez, je passe devant vous, monsieur. Ah voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui. Non mais attendez. Ça va 2 minutes. Ça va 2 minutes. Eh ben là mon patron il va pas être content là du retard que je vais prendre, parce que là c'est les bouchons. Après on est en plein horaire de pointe. Ah ouais, c'est la galère de ouf. Bon, de toute façon j'ai le temps de revenir à mon véhicule, hein. Attention, je passe, attention. Oh là, et tu me fais quoi toi monsieur? Hop, je me mets sur le trottoir et on rentre au camion. Voilà, de retour au camion. J'ai fait un petit bouchon derrière mais c'est rien par rapport à ce qu'on a eu. Ça s'est décanté d'un seul coup par contre. Vraiment stylé, et puis là finalement ça se recante d'un coup. Mais ça va, ça devrait quand même aller assez vite pour moi. J'aurais dû m'arrêter là avant le passage piéton, parce que là mon gabarit ne passe pas. Dommage, voilà, je suis en plein sur le passage piéton. Je m'en veux terriblement, sachez-le. Je me sens con. Ok, c'est en train de réavancer. Évidemment je ne crie pas victoire trop vite, hein, puisque ça se stoppe aussitôt. Bon bah cherchez pas l'origine du bouchon, j'ai gratté tout le monde en fait, en prenant la voie de gauche, hein, qui est absolument autorisée, vu que personne ne la prenait de toute façon. Mais voyez, ils arrêtent pas de se prendre en accident, donc autant vous dire. Alors je suis pas en sens inverse, hein, vous voyez, sachez-le, bah même là vous voyez c'est un sens unique, même le camion est sur la voie de gauche. Donc voilà, depuis tout à l'heure ce gros bouchon c'est tout simplement la magie de l'intelligence artificielle, voilà. Scola, je ne sais pas ce que ça veut dire, je pense que c'est la direction qu'on prend de toute façon.
Hop, limité 40. Ah, attention, ça freine devant. Mais comme d'habitude, je suis sur la voie la plus intelligente. Hein, voilà, il faut faire... C'est pas réaliste, mais bon, ils se mettent tous sur la même voie. Forcément, ça crée des liens. Voilà, tu sais pas pourquoi. Avant, ils étaient tous à droite. Là, maintenant, ils sont tous à gauche. Alors que pourtant, ils tournent pas à gauche, peut-être. Si, peut-être qu'ils tournent à gauche, ceux-là. Dans ce cas-là, d'accord. Mais bon, quand même. Mais en tout cas, vraiment très sympa cet endroit. Et c'est pas l'endroit... mon endroit coup de cœur, là, où on a commencé le périple. Il faut le savoir. Je vais essayer de vous montrer sur le GPS. Ben oui, c'est bien plus loin, on passera d'ailleurs. Vous voyez le petit 1, c'est là où... Ben non, le petit 1, on l'a placé avant pour pouvoir prendre le point d'interrogation. Bon, attendez, j'ai compris, je vais ouvrir la carte. Je vais quand même vous montrer un petit peu, pour être honnête avec vous. J'ai pris la mission en réalité. La mission, je l'ai prise... Ouais, je l'ai prise ici à Eurogoodies. Bah, de toute façon, c'est une remorque Eurogoodies que j'ai, je crois. J'ai pris la mission ici, donc après, je suis allé là pour faire justement la cinématique de début. Et l'endroit coup de cœur que j'ai trouvé, il est où ? Bah, il est là, à droite. Il est tout juste à droite, mon endroit coup de cœur. C'est... Ah bah, hé, on va y aller. Parce que j'ai découvert un truc. J'ai bien fait de faire ça. On va aller à droite. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que, au premier abord, c'est un cul-de-sac, vous allez voir, hein. Alors attendez, ça se trouve ça va pas marcher, hein, ce que je dis, hein, je ne sais pas. Par contre, ça fait trop du bien de retourner sur le DAF. Hein. Vraiment, hein, le DAF, c'est une pépite. Hein. Il se conduit tellement bien. Presque mieux que le man, en vrai, j'ai un peu le seum. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est ici que j'avais livré un yacht. Donc ça, c'était hors vidéo, hein, les gars. Voilà. Comme dit, je suis pas très friand de l'ambiance port. Enfin, c'est pas que j'aime les ports, quoi, mais j'aime l'ambiance, je veux dire. Voilà, c'est à partir de là où je me suis dit, waouh, c'est trop stylé. Et du coup là c'est un cul-de-sac. Sauf que j'ai bon espoir. Parce que je vois des véhicules là-bas qui roulent. Donc j'ai bon espoir que ce soit un chemin caché. Ah, j'ai pas l'impression que ce soit un chemin caché. Bon. Alors c'est magnifique. Voilà, là c'est absolument magnifique. Par contre ça se voit que t'étais pas censé aller là, puisqu'on voit du vide. Donc on va aller à gauche. Ah. On va suivre le gars, on va voir ce qui va se passer. Ça sent être une très bonne idée. Non mais, si c'est bien fait, normalement on rejoindra la route principale. Normalement, si c'est bien fait, on rejoindra la route principale. Faites-moi confiance, moi j'y crois. J'ai confiance aux développeurs. Ah ! Ah ! Oh oui ! Oh là ! Bon bah ma foi, j'étais pas censé aller là, j'aurais pu tomber dans le vide. J'ai eu énormément de chance, voilà bon. Désolé pour la consommation de carburant Fox, hein, mais mes patrons là, je suis en train de tout user avec ces conneries. Wesh. Ah ouais, non mais là mon camion il est on fire. Bon là y a pas moyen que je m'arrête. Ok bah voilà. C'était le petit détour qui fait plaisir et c'était pour vous montrer en gros ce qui m'avait vraiment plu à Split. C'était vraiment cet endroit là. Donc voilà, ils sont tous sur la voie de gauche encore une fois. Donc je me permets évidemment de dépasser par la voie de droite. On a le droit puisque ce sont des fils à 50 km/h, même 40 km/h, au niveau des feux rouges. Donc bien sûr on a le droit. Maintenant le problème c'est que le camion là, il ne veut pas avancer devant là. T'avances ta merde. Petit coup de klaxon quand même. Je sais pas pourquoi il se la traîne. Ça y est, il se réveille. Très mignon en tout cas par là. Il y avait un chemin également à droite là, une route à droite. Peut-être que ça aurait rejoint, mais vas-y, je vais pas tenter le diable. Je ne vais pas prendre le risque. Alors là, va falloir que je prenne à gauche juste après. Mais je sais pas encore comment c'est foutu l'intersection. En tout cas, on est en train de saturer la circulation. C'est impressionnant. Il est donc 7h47 du matin. Il fait déjà 22 degrés visiblement. Autant vous dire qu'on va ouvrir la fenêtre. Voilà. Et on est reparti. Il a du mal le camion ou... On dirait il a du mal, on a combien de tonnes de... 18 tonnes de poissons frais, rien à voir, qu'est-ce qu'il me fait lui? Bon, alors attendez. Moi je vais à Zagreb je crois, vers Zagreb en tout cas. Donc faut que je prenne de toute façon à gauche dans tous les cas. Mais putain c'est quoi ce carrefour bizarre là? C'est quoi ce carrefour bizarre? Oh non, je fais bien d'aller tout droit. Allez. Alors attends, je suis pas prioritaire là. Ah si, ok. Je suis prioritaire. Et là j'ai pas le choix d'aller à gauche. J'ai pas le choix d'aller à gauche même sur la voie de droite. Donc c'est complètement con. Cette intersection est complètement conne. Mais au moins ça me permet de gratter tout le monde.
Donc ça c'est vraiment pas mal. Maintenant pour s'en sortir ok. Ah bah non mais ça s'arrête, mince dommage. Là j'aurais pu avoir un créneau devant le bus mais... Attends je vais m'avancer un peu. Bon ça va. Ça va. Ok le bus nous laisse passer. Merci monsieur. Hop putain il y a la voiture derrière, on l'a vu. La voiture nous a vu mais elle s'arrête parce qu'elle est bête. Allez bouge ta merde. Oh putain c'est pas possible. C'est pas possible. Allez bouge ta merde. Là je passe pas. Comment vous dire? Bon bah c'est pas grave hein. Je vais te l'encastrer hein. Oh je t'ai rayé la peinture je pense. Non je suis pas sûr, je suis même pas sûr. Oh merde par contre. Ok c'est bon ça passe derrière. J'ai eu un petit peu peur. Allez c'est parti, on ferme la fenêtre. Direction l'autoroute, donc là une petite partie pas forcément folichonne. Et encore on découvre quand même ici, je suis jamais passé par là. Donc voilà peut-être une partie un peu moins folichonne. Et puis par la suite vraiment on va se régaler en termes de route. Ça vous pouvez en être certain. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, dans la vraie vie, évidemment, on ne l'aurait pas fait. Ce que je suis en train de faire. Mais bon, on est sur Euro Truck et ils sont un petit peu cons. On marque le stop et on y va. Et au moins, j'aurais pu gratter le camion à ma droite. C'est déjà pas mal. À mon avis, je vais avoir plus de boost que lui. Mais bon, évidemment, dans la vraie vie. Voilà! Tracteur solo je dis pas mais là en l'occurrence non. On reste évidemment derrière. Les camions restent à droite. Allez c'est parti. Donc direction Zagreb, la sortie à droite. C'est bon ça. On laisse le clignotant pour bien confirmer. Et on va se détendre. Ralentisseur. Ah oui donc là le ralentisseur a 3 crans. Mais ça marche vraiment bien pour le coup. Hop. C'est plutôt pas mal. Non mais franchement le DAF est très agréable à conduire. Et malgré tout bon on repassera sur le MAN quand même incessamment sous peu. Mais voilà c'est juste pour dire. C'est quand même très 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 agréable. Et on quitte Split dans ces rochers. Je voulais un petit peu vous parler de Grand Utopia puisque aujourd'hui le trajet a vraiment un grand intérêt hein. Le trajet d'aujourd'hui a vraiment un grand intérêt puisqu'on découvre encore des choses, des villes et des routes du DLC West Balkan. Ça c'était ma petite crainte, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Oh, oh là 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 là, oh purée lui il a bu à mon avis. Oh là 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 là, il a frôlé l'accident. Ça c'est dangereux, ça aurait pu être nous, on aurait pu être une voiture devant et là ça aurait été très compliqué pour nous. C'est très joli ici, hein. Vraiment c'est magnifique. Mais du coup voilà c'est ça, en fait on découvre encore des choses du DLC West Balkan, donc ça c'est chouette. Moi ce qui me faisait peur maintenant à l'avenir c'est que bah, voilà, on a tout vu du DLC West Balkan et donc ça va être la fin de cette aventure. Parce que moi j'aime beaucoup continuer cette carrière, mais quel est vraiment l'intérêt maintenant? Et du coup moi je m'étais posé la question de, bah, j'aimerais bien... reprendre Grand Utopia, ça a même tout son intérêt étant donné que bah, Grand Utopia c'est la France x 1000 quoi, c'est super bien représenté donc c'est parfait pour moi qui alors au moment où vous verrez la vidéo d'ailleurs j'ai un truc qui est complètement dingue. Au moment où vous verrez la vidéo je serai peut-être en train de bosser dans le transport. Voilà, au moment où la vidéo sortira il y a peut-être moyen que je suis tranquillou bilou en phase d'essai. Il y a grave moyen mais bref. Je voulais vraiment, je me suis dit voilà retourner sur Grand Utopia ça peut être vraiment sympa. Mais le problème c'est que cette carrière là qu'on est en train de faire là, on est au je sais pas combien de deuxième épisode, 29 peut-être. J'y tiens énormément. Parce que vraiment on a des camions de ouf. On a un compte en banque qui fonctionne super bien, regardez bah, c'est écrit en haut 132 000. J'ai même pas besoin de faire de livraison pour gagner de l'argent. Je n'ai pas cheaté une seule fois. Je me suis jamais give de l'argent ou quoi. J'ai uniquement travaillé avec les prêts de la banque. Donc en vrai de vrai, et on a fait toujours gaffe avec les accidents, machin, tout, enfin un maximum en tout cas. Donc cette carrière a tellement de mérite, j'ai pas envie de la foutre en l'air et de recommencer Grand Utopia. Du coup m'est venue une idée de zinzin, à savoir assembler Grand Utopia avec cette carrière européenne des West Balkans, voilà.
Et pour ça, il faut un mode qui s'appelle, qui est très très bien, qui s'appelle European Grand Utopia, pour ceux qui connaissent. Mais pour le moment, alors il y a des rumeurs qui disaient que c'était abandonné, mais je suis pas sûr. Gros big up d'ailleurs si l'auteur passe par là. Mais c'est surtout que on est bloqué là. Ils sont complètement cons, mais c'est pas possible, ma parole. Bon, moi je suis juste là pour le point d'interrogation, hein. Donc je vais me permettre, les gars, de choper le point d'interrogation et puis je vous laisse vous débrouiller, hein. Moi, c'est pas ma guerre. Évidemment, c'est un malaxeur. Mais est-ce que je peux aller à gauche là ou pas? Non, c'est débile. Donc on va slalomer. C'est pas un problème. Hop. Ok. Ah bon, en plus, il se décale, c'est parfait. Voilà. Et moi, je manœuvre maintenant, hein. Concessionnaire man. Ok. Donc ouais, European Grand Utopia. Mais le mode, en tout cas, n'est pas encore mis à jour pour la version 1.49 d'Euro Truck. Et c'est pas faute d'avoir bidouillé des trucs. Je dis ça, je dis rien. Mais ça ne fonctionne pas. Donc malheureusement, en gros, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'en gros vous avez votre carte ici, tout simplement. Sauf qu'en plus, genre là, ici, vous avez Grand Utopia en plus. Et ça, c'est une dinguerie. Et vous pouvez y aller en bateau comme ça, tac, tac, tac. Tu vas à Londres, enfin, tu fais Calais ou Brest, voilà. Enfin, voilà, Roscoff. Et hop, tu peux aller à Grand Utopia en ferry. Voilà. Et bah ça, c'est lourd. Ça c'est lourd, donc j'espère que ce sera mis à jour un jour. Et si c'est le cas, bah, j'espère très bientôt. Et là, dans ce cas-là, on pourra combiner Grand Utopia sur ce profil. Et là, ça aura de l'intérêt. Parce que tout ce qu'on aura généré comme argent, etc., et bah, on continuera, mais on roulera sur Grand Utopia. Et à tout moment, on pourra retourner quand on veut dans les villes d'Europe. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc, ouais, c'est tout ce que j'espère. Même au niveau de mes paramètres et tout, tout est tellement bien paramétré sur ce profil, sur cette carrière, que je peux même pas... voilà, quand je relance Grand Utopia, mon profil Grand Utopia, c'est une catastrophe. Donc, ok, lui il tourne à gauche. Allez, on y va. J'ai pas tout à fait marqué le stop. En tout cas, j'insiste, ce camion, c'est un purée de plaisir. Vraiment, c'est un plaisir. Vous avez pas idée. Bon, allez, on va ressortir de ce bourbier. Donc là, on se retrouve dans le gros giratoire. On va aller tout droit. Ok, j'élarge le time. Direction donc Zagreb. Et là, on va prendre le péage. Allez, hein. Alors ça c'est très dangereux forcément, en plus produit inflammable devant moi, mais là à un moment donné faut avancer quand même, hein. Je veux bien qu'on rigole. Bon, je vais me permettre de prendre la voie de gauche. Voilà, de toute façon les deux sont EMC. Et à mon avis, vu ce qu'il fait lui, je vais pouvoir le gratter, j'espère. On va faire la course les gars. Oh non. Oh, il m'a gratté de ouf. Non non, attendez. Je pousse à fond, on va pas faire chier les voitures, hein, je vous le dis. Voilà, bon j'ai quand même bien fait. Ah bah de toute façon regardez, fallait que je me mette là dans tous les cas. Et bah alors si ça c'est pas de l'anticipation, et bah vous avez raison, ce n'est pas de l'anticipation, c'est vraiment de la chance pour le coup. C'est vraiment de la chance, et bah comme quoi des fois le monde est bien fait, des fois je suis ingénieux sans le savoir. Et comme c'est large, regardez, putain la route comme elle est large. C'est une seule voie ça? Oh, c'est magnifique. Bon là on va rejoindre vraiment l'autoroute comme des chenapans, hein. Elle est magnifique cette route. Et tu peux mettre trois camions l'un à côté de l'autre sur la même voie. Bon j'exagère un peu. J'exagère un peu. Alors là je vais peut-être un petit peu vite quand même. Donc là je fais gaffe de pas faire un trop gros virage. Je préfère largement mordre la ligne blanche que de me renverser pour le coup. Et j'ai pas envie de mettre du poisson partout, hein, quand même, hein. Sans déconner. Allez on bombarde. Et on se calme parce que devant, ça ne bombarde pas tant que ça. Voilà. Et on garde bien nos distances de sécurité. Et puis là, écoutez, le temps de faire l'autoroute et de vous faire la coupure, moi je vais mettre mon régulateur. Régulateur adaptatif, cela dit. Et je vais mettre plutôt pas mal. Surtout qu'en plus, regardez, les camions n'ont pas le droit de dépasser. Donc autant vous dire que je vais rester tranquille. Avec un beau ciel bleu en plus. Oula, qu'est-ce qui se passe en face? Pourquoi ils sont tous à l'arrêt dans le... Qu'est-ce qu'ils font là à gauche? Je sais pas. Ils sont en train de faire une manif? J'étais pas invité.
Oh, regardez-moi cette vue. Bon, j'essaie de rester quand même sur ma voix, mais regardez-moi cette vue là. J'ai pas vu le nom du fleuve qu'on traverse. J'ai un petit peu le seum. Faut bien tenir le volant parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Allez viens, je t'emmène au vent. Magnifique. Allez, tu peux te rabattre mon copain. Petit appel de phare. Magnifique. Vous inquiétez pas les chauffeurs, la solidarité routière est toujours là et sera toujours là. Et je vous le dis, les jeunes chauffeurs... Oh putain, par contre là, pourquoi ça freine comme ça, je ne sais pas. J'ai même un problème de pression d'air d'un coup. Ok, c'est bon, c'est revenu. Mais bref, je voulais faire un petit mot quand même et rassurer. Mais je peux vous assurer que la majorité des jeunes chauffeurs routiers qui sont en train de rentrer dans ce monde, vous inquiétez pas que... Les appels de phare, les coups de clignot, on est là, hein, vous inquiétez pas, je sais que c'est quelque chose qui se perd. Voilà, mais il y en aura toujours. Et peut-être même de nouveau de plus en plus, qui sait. Parce que bon, la nouvelle génération, voilà, c'est la génération Euro Truck, c'est la génération où les vrais routiers ont donné déjà des conseils avant même d'entrer en formation. Donc voilà, je vous inquiétez pas. Wow, oh, oh. Ouais, par contre j'ai cru que ça allait taper là. Et voilà le routier devant. Et voilà. Ah bah là au moins c'est réaliste. Voilà. Ça c'est réaliste, messieurs dames. Bon là ce que je fais, j'ai pas le droit de doubler par la droite. Mais qu'est-ce qu'il nous fait en plus maintenant le bus? Oh là là, c'est du grand n'importe quoi. Le camion plein de montée qui double alors qu'il a rien à faire ça. Et puis maintenant le bus qui me... Bon après il a raison du coup le bus dans le sens où il est fâché. Le bus lui il peut. Lui il peut aller jusqu'à 100 km/h. Bon là c'est limité à 80 du coup hein. Par contre là il a pas le droit. Et d'ailleurs le camion qui est en train de me doubler actuellement, bon il s'est fait arnaquer, mais il a pas le droit, il y avait un panneau d'interdiction là, mais bon. Mais ils font nain. Et par contre là c'est le zbeul, je vais me prendre un camion dans la gueule, hein, à mon avis. Hein. Non mais regardez, je vais me prendre un truc dans la figure. Bon, on va faire ça simple, on va faire ça RP. Je vais laisser passer Monsieur Vogel devant nous là. Et Vogel hein. Voilà, rabats-toi, laisse passer les voitures parce que là tu casses les couilles à tout le monde. Hein. Et tu fais même de la mauvaise pub. Mais on se croirait un peu dans le désert. Ça me fait même penser un peu à... Non, alors attends, l'autre il me passe devant. Heureusement, régulateur adaptatif. Ça me fait presque penser à ProMode. Vous savez, quand on va dans les pays vraiment bien de l'Est. Et qu'est-ce qu'il me fait là? Alors ça c'est un bug. Vous voyez la pression d'air là? À chaque fois j'ai ces alertes. Du coup j'ai dû enlever la simulation d'air réaliste parce que sinon là mon camion se serait arrêté en fait hein, littéralement. Puisque je ne peux pas rouler avec peu de pression d'air. Mais c'est un bug que j'ai. Et comme dit j'avais déjà posé la question à Seb d'ailleurs, gros big up. Donc c'est vraiment un bug, apparemment ça n'existe vraiment pas dans la vraie vie heureusement. En gros sur Euro Truck, quand tu mets le régulateur adaptatif genre à 80. Et je vous l'avais déjà dit je crois une fois. Et que d'un coup il ralentit parce que il y a une voiture... qui te passe devant. Donc tu passes de 80 à 60. Bah, c'est le principe du régulateur adaptatif, c'est fait pour en fait. Eh ben j'ai une chute anormale de pression d'air à chaque fois. C'est fou hein. Donc gros bug à ce niveau là. Très bizarre. Et si c'est des trucs qui arrivent dans la vraie vie, bah alors dans ce cas là le régulateur adaptatif, comment dire, ne sert à rien. Mais je pense pas. Voilà. C'est vraiment un bug. Donc chiant. Mais bref, tout ça pour dire l'ambiance elle est vraiment sympa. D'ailleurs vous savez quoi? Même que j'ai repensé à rejouer à American Truck Simulator. Alors là je sais qu'il y en a qui vont être contents. Mais bon la vérité c'est que de toute façon j'aurais quand même pas le temps. Et surtout en vrai moi, souvenez-vous à chaque fois que je lançais American Truck, j'étais très vite saoulé, blasé des paysages. Parce que en vrai de vrai, ok Los Angeles, ok Los Angeles, trop stylé. Voilà, mais c'est tout. Voilà, je suis désolé, alors je sais qu'il y a des bandeurs d'Amérique hein, mais me promener sur une grande ligne droite avec des décors désertiques as fuck. Bah, dans la vraie vie oui.
Sur un jeu, non. Franchement, non, je... aucun intérêt. Pour moi, hein. Attention, hein. C'est pour moi. Je préfère largement rouler en Europe, même faire de l'autoroute comme ça. Là, vous voyez, ligne droite, mais il y a du décor. Bon, là, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais tu m'as compris. Là, on prend un péage. C'est-à-dire qu'on sort de l'autoroute. Ouh! On va bientôt prendre, regardez le GPS, on va bientôt prendre les routes absolument légendaires d'Autriche. Bah là, je crois qu'on va passer la frontière, en fait. Je crois qu'on va passer la frontière. Il y a grave moyen. Bon, attention quand même à la jauge d'essence, 86%. Ouais, faudra juste penser à ça parce qu'après, on n'en aura plus pendant un petit moment. Ah si, on en aura sur le chemin, dans les virages. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Et d'ailleurs, je dis des bêtises. Les virages qu'on voit là, c'était pas les virages que je pensais là. Moi, je pensais à ces virages-là, ici. On n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Ça, à mon avis, messieurs, dames, ce sera pour un prochain épisode. Eh ouais, les gars. Mais ça va être magistral, ça va être mythique. Ça va être mythique. Ah oui, j'ai une dashcam en haut à droite, j'avais oublié la petite dashcam. Comme ça, ça m'évite si jamais j'ai des problèmes. Comme ça, j'ai des preuves. D'ailleurs, en parlant de dashcam, les amis, il y en avait beaucoup qui me posaient la question. Quelle est ma dashcam dans la vraie vie? La dashcam que j'utilise pour mes vidéos, dashcam d'ailleurs. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à les regarder, c'est vraiment pépite. Merci beaucoup pour vos commentaires sur mes vidéos dashcam. C'est une Vantrou, c'est la marque Vantrou, alors c'est un certain prix. Alors beaucoup me disent même que c'est pas si cher que ça, parce qu'au final c'est quand même très qualitatif. 3 caméras, donc t'as une caméra qui filme devant, évidemment. Une caméra qui filme derrière, et une caméra qui te filme toi. Alors t'es pas obligé, hein. Mais moi j'aime bien justement, c'est le principe même du vidéaste. C'est de se filmer soi-même et je trouve ça trop cool. Et en même temps c'est sympa parce que ça peut même servir de preuve si t'as un accident et tout. Et après on te dit ouais mais c'est parce que t'étais sur le téléphone. Bon bah au final tu vois que t'étais pas sur le téléphone grâce à la facecam. Voilà, donc c'est toujours sympa. Mais voilà, moi j'aime bien cette dashcam, je vous la mets en description si ça vous intéresse. Je l'ai acheté sur Amazon, elle a un certain prix, mais voilà, je vous la mets en description. N'hésitez point, je suis pas sponsorisé par Vantrou. Par contre s'ils veulent me sponsoriser, bah alors là mon pote, c'est un grand oui. Être sponsorisé par des marques que t'apprécies, c'est toujours un bonheur. C'est comme bah, mon sponsor habituel Eneba, hein. Voilà, je fais la transition, mais sans déconner, c'est un plaisir. C'est pour ça aussi, fais pas n'importe quoi comme lien d'affiliation, tu vois. C'est que des gens que j'apprécie. Donc en l'occurrence Eneba. J'étais partenaire à l'époque avec Gunnar. Je ne suis plus partenaire Gunnar, mais pour autant voilà, je les ai quand même bien appréciés. Et pareil pour OMG Serve. OMG Serve que j'apprécie énormément, serveur hébergeur Minecraft, serveur Arc, Bumble, etc. Mais je suis plus partenaire actuellement puisque bah, de toute façon je n'ai pas de besoin de serveur tout simplement. Mais voilà, c'est vraiment le trio que j'apprécie. Donc si Vantrou s'ajoute à la liste, hein, moi je dis un grand oui. Allez, on arrive au niveau du péage. Ça ralentit pas mal. Non mais c'est une blague, c'est trop mal fait. Fallait me prévenir plus tôt qu'il fallait tourner à gauche là. Ah c'est bon, la cabriolet me laisse passer, c'est très sympa. Merci monsieur cabriolet. Hop, je te mets un petit coup de feu de détresse. Très sympa. Et on passe donc la frontière, bien sûr la frontière autrichienne. Comme vous pouvez le constater. Mais pas du tout, putain c'est la Hongrie, espèce de débile. Mais oh, j'en peux plus de moi. J'en peux plus de moi. La frontière autrichienne, sérieusement. C'est la Hongrie. Oh là. Oh là. Oh là 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 là. L'accident direct. Non mais c'est pas possible. Oh là 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 là. La dingue. Oh là là, le bus il arrivera jamais à s'en sortir. Bon. Non! Bon, attendez. Parce que là, il va me la refaire encore, non? Ok, c'est bon. Oh non! Oh, ok, on a de la chance. Oh! C'est une dinguerie. Tu veux y aller, monsieur, la voiture? On le voit dans le grand angle. Ok, il me laisse passer. Très sympa. Très sympa. Hop. Ah là là, terrible. Hop, un petit coup de feu de tresse également. Bon, on va s'en sortir, moi j'y crois.
Hop. Oh putain, c'est trop de la merde. Et c'est trop mal fait hein. C'est trop mal fait. Au moment où je m'engage. Bon, je te passe devant toi aussi. Très bizarre également cette intersection. Et très bizarre cette intersection d'ailleurs. Ah, je déteste ça. Bon, on y arrive. On arrive à s'en sortir. Et alors, voyez voir ces grands virages là qui nous attendent. Enfin, des grands virages, non, c'est même pas des virages en soi. Enfin, si, mais je veux dire, c'est plus des zigzags intersectionneux que ce qui va nous attendre en Autriche. Hein. Là, c'est vrai que c'est un autre level qui nous attend. Ok. Alors, l'autre, il lui passe devant. Ah, ouais, je suis mort, eh. Merci, mec. Ah, mais de toute façon, il tournait. Ok. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Ça nous a permis de pouvoir partir tranquillou bilou. Et on est parti du coup pour la petite départementale. Bon, petite départementale qui reste quand même relativement large, hein, aucun problème. Il a du mal à passer les vitesses quand même. Hein. Alors, comment dire? Voilà. Le petit coup de klaxon qui sert à rien, hein. Je pense qu'il a compris son erreur le bonhomme. Je pense que j'ai bien fait d'avoir mis une dashcam en haut à droite. Et je pense que ce trajet est vraiment plein de surprises. L'année commence bien, j'ai envie de vous dire. Alors, oh là oui quand même. Ah si, c'est quand même des beaux virages. Oh là là, l'océan c'est magnifique. Bon, donc là on prend bien à l'extérieur. Voilà, sans sortir. Voilà, bon là il faudra peut-être pas abuser des bonnes choses le bus hein. Ah, j'en ai rien à péter hein. Bon, il m'a juste cassé ma bâche. Il m'a juste arraché, c'est juste tout ouvert. Les poissons ils sont en train de sortir l'un après l'autre. Non mais à un moment donné, faut pas non plus se foutre de la gueule du monde hein. Je veux bien rouler jusqu'ici. Mais à un moment donné, anticiper c'est une chose, mais il faut que tu fasses un effort aussi hein. Je peux pas être tout seul Ah, on est deux. Une relation c'est à deux hein. C'est pas un sens unique, hein. C'est pas juste l'homme qui doit tout faire hein. Je sais que la femme elle a envie d'aller voir ailleurs, mais quand même. Allez. C'était la petite balle perdue. On est reparti pour un nouveau virage. J'ai une sensation de déjà vu d'ailleurs. Mais attendez, mais c'est simple, on a déjà fait une vidéo ici les gars. Et c'était d'ailleurs dans ces virages là qu'on avait eu un accident avec un bus. Excellent, n'est-ce pas? On est déjà passé par là, mais les souvenirs. On est passé ici avec le même camion quoi. Ah, c'est génial. Ah, c'est top, et c'était dans le virage juste après je crois. Mais non, où il y a même moyen. Ah non, c'est peut-être un virage plus bas. Mais en vrai il y a moyen que là où on a accroché, c'était au même endroit qu'on avait accroché à l'époque. Enfin, quand je dis à l'époque, c'était genre il y a un mois, deux mois. Hein. Excellent en tout cas. Mais ça fait du bien de revenir ici. En plus, là, avec un beau temps. Ah, c'est sûrement ici qu'on a accroché avec le bus. Et encore, ça m'étonnerait. Parce que là, le virage n'est pas très. Oh, il y a une villa et tout. Oh, vous avez vu? J'ai vu une villa et tout avec une piscine et tout. Ah ouais, tu vis, hein. Ah ouais, tu vis, hein. Oh. Le peu que j'ai vu là. Et si on trouve un petit chemin là qui mène à droite, on y va hein. Rien à péter. S'il y a un petit chemin qui mène. Bah de toute façon ces maisons, faut bien y aller non. Il faut bien avoir un petit chemin. Un peu dangereux s'il est ici mais. Oh. Pourquoi il y a ce pas. Pourquoi il y avait ce poteau? Ah d'accord, ok. Ulustrans, bonjour. Ok. Ah non, je peux pas aller à droite. Ah, j'ai trop le seum. Ah, je voulais y aller. Senji. Mais non, mais on n'est jamais allé là. Mais en plus, je raconte que des conneries, les gars. En fait, mais oui, mais on n'est jamais allé là. Par définition, c'est la première fois qu'on va là. Mais cet endroit me fait penser à un endroit où on y était déjà. Oh, c'est excellent. Je sais pas où c'est que c'était, mais bon, vous voyez très bien. Et bah, en fait, oui, on n'est jamais allé là. C'est le principe même du trajet, mais j'avais oublié. Tu vois, c'était peut-être ça. Oh. C'était là que j'ai accroché avec un bus. Mais bien sûr. Ouais, c'est... Mais oui, le trajet. Mais bien sûr. Ou même peut-être pas, c'était même peut-être là. Mais oui, mais attendez, ça pouvait très bien être là. Ça pouvait très bien être n'importe où. Hein. Voilà, donc... excellent. On découvre donc... Eh bien, la ville de... bon, Rijeka, c'est la grande ville, mais là, c'est Sideka, je crois. Ok. Très sympa ici aussi hein. Très 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 sympa. Alors à gauche on a le centre-ville. On n'a pas le droit d'y aller évidemment. Oh là là. Bah, ça peut pas être le centre-ville à gauche, y'a rien. Qu'est-ce qu'il me raconte?
Il est con le giratoire. J'ai envie de monter à droite. J'avais envie de monter à droite, mais vas-y, je l'ai pas fait. Soyons pas fous. Mais j'avais envie de voir les villas quand même. Ah, c'est vraiment chouette. Et je suis ravi de faire ce trajet avec ce DAF, hein. Vraiment, hein. Oh, c'est magnifique. Il y a des plages, des transats et tout. Oh là 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 là. Je m'attendais vraiment à rien. Je suis vraiment pas déçu. Et on quitte Senji du coup, hein. Je me suis trompé de nom de village. Et à 48 km, Rijeka. Et là clairement on va se faire plaisir dans ces petits virages. Parce que mine de rien c'est des petits virages mais en camion. Dans une route quand même assez serrée. Enfin en vrai c'est pas serré, hein. C'est quand même vraiment large. Hein. C'est vraiment large pour le coup. Mais on a une vue qui peut nous déstabiliser pour le coup. Hein. Et des bus aussi qui vont nous faire chier à mon avis. Donc attention tout de même, limité à 100 km/h, pardon. Bon nous on fait chier tout le monde avec nos camions. Mais c'est à dire qu'on peut rouler à 100 km/h là sans problème là. Mais je vais venir ici en moto. T'inquiète même pas mon pote. Bon c'est pas non plus phénoménal en moto, remarque tu me diras là, hein. Mais quand même c'est déjà pas mal. Et oui on fait un bouchon derrière nous, hein. Clairement les mecs veulent rouler à 100. Eh bien ils roulent 40 km/h en dessous. Oh, je vais tenter un doublage. Je vais tenter de doubler. Ils vont me détester les mecs derrière. Mais regardez, ça me prend 2 secondes. Est-ce que leur vie est si importante que ça? Je ne sais pas. Mais c'est si rapide le dépassement, si doux. Hop, je me dépêche. Voilà, impeccable. Même qu'ils vont même pas réussir à me dépasser tellement je vais vite. Regardez, turbo puissance. Bon là on reprend une sorte de voie rapide. Mais le cadre est tellement beau. Est-ce que vraiment sur American Truck on a des trucs aussi jolis? C'est possible. C'est possible. Mais bon. Ah mais si je retournerai franchement je vous le dis, hein, cette année je retournerai sur American Truck. Vous faire quelques petites vidéos à Los Angeles, hein, ça c'est clair et net. En attendant GTA 6. Par contre ce qui serait idéal, mais ça malheureusement American Truck c'est la côte ouest des États-Unis, hein. C'est bien dommage, mais ce serait tellement chouette d'avoir Miami. Voilà, je vais encore vous reparler de GTA 6, mais voilà, ce serait tellement bien American Truck Simulator à Miami, New York, tout genre de trucs. Oh, ce serait vraiment top. Ce serait East American Truck Simulator. Alors, je sais pas s'il y a des mods qui existent, des mods map. Bah, je suis preneur. Franchement, si vous connaissez des mods, Miami surtout, Miami sur American Truck, ce serait vraiment l'idéal. Voilà, donc ceux qui veulent me partager, n'hésitez pas. Ce serait vraiment, vraiment chouette. Direction donc Rijeka, toujours putain, mais c'est pas possible. T'es obligé d'appliquer au pied de la lettre les 60 km/h, toi. Mais il m'a fait un break check en plus, globalement. Saloupio. Ah, c'était dangereux, hein. Bon, j'ai pas anticipé, je sais, mais quand même. Quand même. Je vais lui casser la gueule après, tu vas voir. Bon bah je lui casserai pas la gueule parce qu'il est en train de tracer devant là, hein. Il est en train de tracer devant. Bon c'est limité 70, je suis en train de faire le Kekos. On est à 195 mètres de haut. Oh c'est magnifique. Le peu qu'on a pu voir. Katarina. Ok, bon là j'ai pas le droit de dépasser. Là je sais même pas si ça monte ou si ça descend. J'ai du mal à... On dirait que ça monte. Mais mon camion il a de la patate de ouf. Donc en fait c'est que c'est plat. Ouais je pense que c'est plat là. C'est un faux plat. Enfin c'est une fausse montée je veux dire plutôt. Ah oui non là c'est plat pour le coup, hein. Bon par contre là j'ai aucune distance de sécurité. Je vois pas du tout ce qui se passe devant. Et du coup ça peut créer ce genre de situation messieurs dames. Oh. Bonjour la police. Vous m'avez surpris. Et on arrive à un nouveau péage. C'est Starina. Péage. Pas de problème. Toujours avec le bus Balkan Trans. Roupa 2000 mètres. Très bien. Bon ce n'est pas encore la frontière évidemment autrichienne, hein, bien au contraire. Par contre je me suis fait arnaquer ou... Oh, j'ai trop le seum. Je suis passé à côté de la photo. Et je suis passé à côté de Rijeka. Oh j'ai trop le seum. Bon, on va arriver sur Ljubljana. J'ai trop le seum. Et là, ici c'est la frontière, je crois. Hein. Ici c'est la frontière avec l'Autriche. Voilà, là on va arriver à la frontière avec l'Autriche.
Voilà, c'est beaucoup d'autoroutes. Et après, par contre, la deuxième partie de la route va être légendaire. Et on va arriver à Innsbruck, ça va être vraiment formidable. Voilà. Allez, on sort à droite. Et c'est pas vraiment une autoroute qui nous attend ici, je sais pas. Hein. Je ne sais pas. Ceci étant dit, ceci étant fait, attention au virage quand même. Limité 40, à mon avis, c'est pas pour rien. Et puis de toute façon, je n'aurai guère le choix. Avec le camion devant nous. Ah oui, on quitte l'autoroute, c'est bon. On quitte l'autoroute. Ok. On tousse à droite. C'est pas malin de mettre un stop là. En vrai. Normalement, dans ce genre d'intersection, c'est un CD de passage ici. Hein. C'est pas un stop, hein. C'est complètement con. Hein. Ah bah oui, du coup faut marquer. Bah ouais, mais c'est débile, oui, il faut marquer le stop, c'est complètement con. Ok. Il y a la police. C'est bon, elle peut plus faire demi-tour. Allez, salut. Hop. Très joli arbre de chêne, très joli sapin. Qu'est-ce qui nous a fait le camion là? Ah, il va pas y aller à gauche, j'ai rien dit. Ah, il va repartir sur l'autoroute, il a dû se tromper de. Il a dû se tromper de direction, le con. Oh, le con, le patron, il va pas être content. Ah, je vous le dis. Bon, mais c'est vrai, il y a une petite ambiance canyon, une petite ambiance américaine ici. Et c'est pour ça aussi les West Balkans. Mais après, il me semble, j'avais fait des recherches sur internet au début. Les West Balkans, c'est un peu comme l'Amérique, hein. Enfin, en termes de décor, ça ressemble beaucoup aux États-Unis. Et c'est pas faute d'ailleurs d'avoir fait un screenshot que j'avais envoyé sur le Discord de la TLF avec des grands canyons. Et j'avais dit c'est l'Amérique. Enfin voilà, incroyable. Bon là par contre on va se faire on va se faire dépister mon pote là. Freie Durchfahrt. Free Passage. Slobron Prulaz. Bon, je sais pas faire les accents, je suis désolé hein, je... On essaye. On essaye. Gros passage frontalier ici. Qu'on découvre. Union Européenne, République de Slovénie. Ça y est, là on est en Slovénie, ça va pas durer longtemps. On va vite passer la frontière autrichienne. Mais voilà, on a un petit passage quand même en Slovénie. Vraiment stylé. Hop là. J'adore. On peut pas aller à droite? Pourquoi ils vont tous à gauche? Pourquoi ils font des trucs à la... Eh mais c'est un sens inverse là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Eh, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Bon, l'autre camion derrière moi, il fait comme moi, il a bien raison. Hop. Il y a la policia. Hop, le trottoir, il se l'est pris. Oh, le con, quoi. Oh, le con, là. Prends-en de la graine. Bon. Toujours aussi sympa, les passages frontaliers, hein. Rien, c'est bon dire. Hop. La vérification générale. Ouh, on va encore avoir de la belle route à mon avis. Allez. Il y a assez de place pour s'insérer sans aucun problème. Et ça, c'est chouette. Ok, si on va quand même reprendre une partie de l'autoroute. Mais d'abord une petite entrée sur une départementale, la route 7. Et ça aussi c'est quelque chose qui est assez fort. Je voulais aussi revenir, c'est con hein. Bon ça c'est je crois depuis un bon moment quand même maintenant. Mais le fait qu'ils reproduisent, enfin qu'ils reproduisent, ouais qu'ils fassent vraiment les vraies routes, les vrais axes. Genre là j'ai aucun doute du fait que cette route numéro 7 existe dans la vraie vie. Puisque bah j'avais déjà fait des vidéos où je vous expliquais voilà cette route-ci voilà. Et ça c'est vraiment chouette. Cosina. Oh mais c'est mignon par ici dis donc Cosina. C'est plutôt mignon. Bonjour à tous. Bon, ben on quitte Cosina. Ljubljana. Donc Ljubljana, c'est évidemment là où on a notre garage. C'est emblématique, hein. C'est là-bas qu'on a... Bah, qu'on stocke notre véhicule actuel. Ultra stylé. Et on est parti pour prendre l'autoroute. 110 km... 110 litres au 100, pardon. Ma consommation instantanée.
C'était magnifique, mais on a fait pire. On a fait pire. Allez. Si vous vous décidez pas, les copains, je peux pas me décider à votre place. Là, c'est la partie pas RP que je viens de faire, mais je m'en fous. Ça marche. On n'est pas là pour déconner. L7C Fox. Patron, vous n'avez rien vu? J'ai fait ça tout en sécurité, bien évidemment. Alors, je suis à 72% au niveau carburant. Je vois une dernière station ici. Je dis bien dernière, vous allez comprendre pourquoi. Donc, ce que je vais faire, même si j'ai carrément de la marge, je préfère quand même, et je vous expliquerai vraiment dans quelques secondes le pourquoi du comment. Et en plus, ça tombe bien parce qu'il est 19h, donc le soleil est en train de se coucher. On va s'arrêter ici, à cette station. On va faire une coupure, on va dormir là et on va faire le plein avant de terminer notre trajet pour des raisons absolument évidentes. Laissez-moi vous expliquer. D'abord, dans un premier temps, est-ce que je suis obligé de faire le plein avant de faire ma coupure? Oui. Dommage. J'espère qu'on va pas me voler le carburant. Bon, c'est pas très malin, mais c'est pas grave. Hop, on va se placer ici. On va rapidement faire le plein de carburant. 1,60€, oh bah ça va. Franchement. Ok, le réservoir est plein. C'est pas mal du tout. Alors, l'autre il klaxonne derrière. Je viens de finir de mettre le plein en fait. Donc tu vas te détendre mon copain. Ok, 100% de carburant. Faut que j'aille tout droit. Je peux pas aller à droite là? Ah oui, le parking poids lourd il est là, ok. Très bien. Non mais là ça passe pas là. Mais attends, mais ils sont complètement fous. Ça passe là? Au pire, si je monte sur le trottoir, on s'en fout un peu. Là je peux encore aller un peu à gauche. Voilà, je suis un peu monté sur le trottoir. C'est super serré, bon ça passe. Mais c'est vrai que vu comment j'étais courbé, c'est un peu compliqué. Bon, et ben on va se mettre sur le parking. Est-ce qu'il y a une place derrière le camion? Oui, c'est bon, parfait. Impeccable. Je vais me mettre ici, c'est juste parfait. Hop. Voilà. On va se mettre bien droit quand même, on va passer la nuit, donc autant se mettre plutôt bien. Et là au moins je suis un peu safe, enfin je me sens safe parce que je suis au bout. Et j'ai un camion qui me cache la vue ici. Donc plutôt pas mal. Je vérifie que je suis bien stationné, je dérange pas devant. Par contre je pourrais encore avancer hein. Il est vrai. Il est vrai que je pourrais encore avancer. Voilà. Au moins je suis sûr de déranger personne. On a fait 589 km. J'avais pas remis le compteur à zéro dès le départ quand même. On va pouvoir couper, imprimer le chronotachygraphe. Et tout simplement parce que dans la prochaine vidéo, eh bien nous aurons le passage. Donc là on va juste passer à côté de l'Ubjana. C'est vrai qu'on fait une coupure à côté de chez nous hein. C'est quand même assez marrant, on aurait pu dormir à la maison directement hein. On va faire une mini portion d'autoroute avant de passer la frontière avec l'Autriche. Un point de vue photographique. Et à partir de là, ça va partir en cacahuète puisque nous aurons des routes assez mignonnes. Mais pas de station essence. Alors il y en aura une au bout en vrai. Mais vaut mieux être prudent. Et après on arrive à Innsbruck. Ça va être vraiment sympa. Donc voilà les amis, la deuxième partie arrive très vite. Le plus tôt possible. Ça va dépendre de votre motivation bien évidemment. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.